Bienvenue au Clos Trigodina. Vous êtes ici dans un domaine viticole où on a mis en place toutes les bonnes pratiques liées à l'œnotourisme en respectant les règles sanitaires d'actualité. Nos espaces sont grands, ventilés, bien aérés. On peut recevoir le public sans risque par rapport à la distanciation sociale. Donc nous sommes à jour et prêts pour recevoir nos visiteurs qui viennent découvrir un lieu chargé d'histoire. Parce que figurez-vous, ici, c'est Clos Trigodina, mais Trigo des Dina. Il me tarde de dîner. C'est ce que les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, quand ils empruntaient un raccourci et qu'ils traversaient le quartier, c'est ce qu'ils disaient en arrivant. Mais Trigo des Dina, c'est devenu le nom de la propriété. Ça, c'est le premier pan de l'histoire. Le second pan de l'histoire, c'est celle de la famille Baldès. Depuis 1830, 190 ans d'histoire, avec maintenant 7 générations de père en fils et fille. Et dans cet endroit, donc, qui est riche en histoire, eh bien, on reçoit nos visiteurs de la vigne, en passant par les chais, jusque dans notre architecture moderne, dans les bâtiments anciens. Et là, on pratique des visites, dégustations, avec des accords, mets vins, des dîners, des déjeuners, selon ce que le visiteur demande. Parce que ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit reçu comme une personne VIP, sur mesure, et qu'il reparte ambassadeur du Clos Trigodina.